Bonjour. Bonjour à tous. Ouais, merci. Bonjour Alexandre, bonjour Pauline, bonjour à tous. Merci de me recevoir encore une fois. Pour me présenter, essayant de faire rapidement sur la partie créa, donc je suis graphiste indépendant. Je me suis spécialisé au fur et à mesure de mes travaux dans l'édition et la presse en particulier. Donc je fais énormément de magazines. J'ai commencé à travailler pour le magazine Étape, tout juste en sortant de l'école. Et puis petit à petit, je suis arrivé à travailler pour des entreprises qui ont des besoins d'édition corporate, donc soit en faisant de la refonte de magazines internes ou de la refonte de catalogues. Et aujourd'hui, voilà, je consacre la plupart une grande partie de mon activité à ça. Et voilà, puis après, je fais aussi des formations sur InDesign, enfin du coup sur le pré-presse, sur la mise en page, voilà. Et ça, c'est l'autre facette de mon activité, on va dire. Bah, j'ai ces deux-là, principalement. Voilà. Alors, bah, j'en profite avant, pendant que tu installes le partage d'écran, pour dire bonjour à tout le monde dans le chat. Donc, bonjour David, Daniel, Pascal, Thierry, Sylvie, Frédéric, Jamila, Laurence, tous les noms qu'on commence à voir. Pour ceux qui sont sur YouTube, essayez de nous rejoindre sur Behance. Venez nous voir sur Behance. Parce que comme ça, on peut regarder vos portfolios, on commence à vous connaître. Et, le chat est beaucoup plus facile d'accès pour nous, pour voir vos questions aussi. Donc voilà. Jean-Loup, est-ce que tu nous montres ton travail? Oui, avec plaisir. Parfait. Alors, je me suis mis sur mon Behance parce que c'est le plus à jour par rapport à mon site. Je m'étais dit qu'on pouvait commencer par le tout début, comme on avait parlé un petit peu d'étapes. On pouvait commencer par là. Alors, étapes, en fait, moi, j'ai travaillé donc c'est le magazine du design graphique, hein, pour ceux qui le connaissent pas. J'ai travaillé pour ce magazine-là de 2008 à 2012, jusqu'à fin 2012. En fait, jusqu'au dernier numéro qui était mensuel, puisque depuis en fait 2012, eh bien, il y a eu un changement de formule avec une augmentation de la pagination et une refonte totale de la formule, qui est à ce moment-là où moi je suis parti d'étape. Ouais, et donc sur la dernière année, sur l'année 2012, j'étais le co-directeur artistique avec Michel Chanot, qui était l'un des fondateurs du magazine. Mais je suis arrivé à Étape donc en septembre 2008 sur un premier numéro. Alors j'étais pas DA, j'étais simple graphiste, mais ça c'est mon premier numéro, qui est un numéro étudiant, parce qu'en fait tous les ans Je me Étape, souviens de ce numéro, c'est drôle. c'est vrai? Ah Oui, ouais. carrément. Et ben voilà, donc Trop bien. voici certaines pages que j'ai pu monter. Ok. Donc toi, Voilà. c'était quoi ton rôle dans Étape spécifiquement? Alors en fait, Étape, à l'époque, c'était un magazine qui avait une organisation très particulière. J'ai jamais vu ça dans un autre magazine. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un pool de 4-5 graphistes qui tournaient tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 3 graphistes par mois qui montaient les pages du magazine. Et tous les mois, ça changeait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un mois tous les 4 mois où on bossait pas pour Étape. On est free, hein. On montait le magazine en 15 jours à peu près. Et en fait, du coup, on était nos propres DA sur les articles qu'on montait. D'accord. Hors
maquette spéciale. Là, c'est un mauvais exemple parce que c'est un numéro spécial étudiant. Donc, lui, il avait une maquette dédiée pour les spécial étudiants. D'ailleurs, c'est Marie Aumont qui l'avait designée, celle-ci. Mais sinon, pour les mises en page classiques, je vais en montrer une, parce que ça va rappeler des souvenirs. Du coup, attends, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à chaque fois, la mise en page change dans l'étape. Alors, on avait effectivement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on avait une base avec évidemment la fonte, une grille qui était établie, mais après tout ce qui était titrail, chapeau, colonnage des textes, etc. C'était assez libre. Et d'ailleurs, si vous prenez des anciens numéros, si vous en avez encore sur vos étagères, vous pouvez essayer de comparer les articles à l'intérieur d'un même magazine, d'un même numéro, et puis aussi d'un numéro à un autre, et vous verrez qu'il y a des variations. Qui sont enfin qui étaient voulus évidemment hein, mais et qui sont dus au fait que on avait tous les graphistes que nous étions, on avait la responsabilité de notre article. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'était super, c'est vraiment c'est cool. une super école parce que évidemment tu te formes avec les copains qui sont à côté de toi. Alors évidemment, il y avait le regard du rédacteur en chef Étienne Hervy à l'époque et de Michel Chalot qui était le directeur de la publication. Et pour essayer évidemment d'avoir une cohérence dans l'ensemble, etc. Mais la volonté du montage d'étape, c'était d'avoir une sorte de dynamisme dans le chemin de fer. Voilà. Okay. Surtout que, en fait, bon, c'est comme n'importe quel magazine, mais on a ce qu'on appelle du contenu chaud et du contenu froid. Le contenu chaud, ça va être un peu tout ce qui est actu, etc. Le contenu froid, ça va être des articles de fond qui peuvent être, qui n'ont pas forcément une saisonnalité et qui, du coup, peuvent, être inséré dans n'importe quel numéro entre guillemets quoi voilà et on avait pour ça donc le mur sur lequel on mettait le contenu du magazine en cours et on avait ce qu'on appelle le marbre, c'est-à-dire en fait comme un stock d'articles en quelque sorte. Donc on pouvait très bien venir à étape monter un article qui serait en réalité publié 3-4 mois après. Okay. Voilà, parce que c'était un article de fond qu'il rentrait pas dans le numéro en cours, mais qu'il avait tout à fait sa place dans 3 ou 4 numéros plus tard. Voilà. Et alors après, ça pouvait être repris, donc on pouvait reprendre le marbre de quelqu'un d'autre, et etc. Donc il y avait toujours une forte, il y avait du dynamisme apporté par ça. Voilà. Donc ça, c'était disons les premières années. Puis après, ça a un petit peu changé. De 5 graphistes, on est passé à 4, puis à 3. Ah ouais, ok. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de pression particulière ? Est-ce qu'il y a un truc particulier de faire de la mise en page pour un magazine qui est si pointu dans le graphisme et dans le design, où c'est que des gens qui s'y connaissent dans la mise en page qui vont te regarder ? Ou c'est cool, au contraire ? Les deux. Les deux, c'est. Enfin, on va pas se mentir, c'est archi cool. On se rince l'œil toute la journée. On ne voit que des beaux projets. Souvent, on peut penser que pour bosser pour un magazine comme ça, faut être hyper carré, hyper bon, etc. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est hyper facile de bosser pour un magazine comme ça parce que, en fait, ce que tu mets en page, c'est déjà beau. Donc, c'est sûr qu'il y a une pression dans la mesure où tu sais que tu vas être regardé par tes pairs et par des gens qui connaissent le métier. Donc la pression, elle va être dans... Les gens qui connaissent les mini-règles typographiques, de machins, d'espaces, de trucs. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il peut y avoir une petite pression de ce côté-là. Maintenant, on n'était pas tout seul, on était hyper bien accompagné. Voilà, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Ça a toujours été plutôt bienveillant. Le fait de travailler en interne et on n'a jamais eu de gens qui sont venus se plaindre de la maquette ou etc. Voilà. De temps en temps il y avait des DA invités. C'est le cas du numéro 200 par exemple, sur lequel j'ai travaillé aussi, non pas en tant que DA mais en tant que graphiste. Là on était 2 graphistes à travailler, je crois. Il y avait Léo Picot et moi, et la DA invitée, c'est Susanna Shannon, qui est une grande DA de presse américaine mais qui vit en France depuis très très longtemps.
Et là, donc là, la DA, vous voyez, elle ressemble pas du tout à ce qu'un numéro d'étape comme on peut s'en souvenir, ouais. s'en rappeler à l'époque. Et là, c'était clairement le parti pris de Susanna de casser complètement les codes et de réinventer la maquette. Le principe, c'est qu'il y avait 200 mentions, alors soit des interviews, soit des mentions de projets, soit des citations de graphistes ou de gens qui font le graphisme. Ça peut aussi être des commissaires d'exposition, des choses comme ça. Et pour ne pas avoir à choisir l'ordre de passage, tout a été tiré au sort. D'accord. Donc, les 200 personnes, un soir, on est resté avec Susanna au bureau d'étape et on a tiré au sort l'ordre de passage de tout le monde. Ok. Et du coup, pour chacun, il y a un petit numéro. Et en fait, bon, là, par exemple, Patrick Paletta, c'est le numéro 24. Bah, en fait, il y a le 24. Il y a un petit brin jaune là ici en haut des pages. Et en fait, ce brin jaune, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y en a plus dans les pages parce que ici le 150 Jean-Louis Missika, bah, il doit avoir son petit brin qui est là ici. D'accord. Donc c'est des trucs, on s'est pris la tête. C'est des trucs de graphisme mais qui sont trop bien. Ouais, c'est des private jokes et tout. En plus à l'époque, ouais. Je codais pas, enfin je scriptais pas, donc on s'est tout fait à la main. Et comme c'était tiré au sort, il fallait tout vérifier que, ben voilà, le 110, il apparaît à partir de la page 71, mais sur la page 69, il n'était pas là le 110. Ouais. Donc s'il y en a qui ont le numéro 200 à la maison. Bah, vous êtes chanceux, c'est bien déjà. Et ensuite, regardez ce petit truc. Voilà, c'est des petits gimmicks qui sont pas forcément expliqués, quoi. Je crois que ça s'est expliqué, mais voilà. Donc à étape, la direction de la publication, ils s'accordaient aussi des changements de maquette un peu radicaux. Voilà. Étape, c'était ça aussi. C'était un labo. Enfin, c'est ça aussi. C'est un labo un peu expérimental. Voilà. Ouais, carrément. Mais... Bah oui, enfin et puis c'est oui, bah c'est hyper important aussi pour enfin quand je compare avec d'autres magazines pour lesquels j'ai pu travailler, c'est hyper important d'avoir une charte qui est définie sur laquelle tu t'éloignes pas trop, etc. Pour simplement pour des notions de faisabilité en fait. Quand t'es sur un, là on est sur un mensuel. Bon, c'est déjà une régularité importante, mais imagine t'es sur un hebdo ou même sur un quotidien. En fait, les règles, il faut qu'elles soient extrêmement précise et tu n'as pas le temps de t'en défaire. Après, quand tu as une périodicité qui est plus étendue, tu peux te permettre de commencer à sortir des règles, à réinventer des choses, etc. Enfin, donc ça, c'est le fait que l'étape était mensuelle jusqu'à fin 2012 permettait ça. Voilà, aussi. Il y avait des numéros qui ont commencé à les monter 2-3 mois avant leur sortie. C'est-à-dire qu'il y avait aussi pas mal de réflexions en amont. Et ça, c'était possible grâce au marbre aussi, parce qu'on savait qu'on avait un stock, enfin un stock entre guillemets, on avait un marbre, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire des articles montés qu'on pouvait réintégrer après. Ok. Un marbre dans la presse. Que, alors, oui. Je vous coupe juste 2 secondes, excusez-moi. Oui. On me dit que Alexandre a pas de son. Voilà. Voilà. C'est bien dommage. du coup, on va parler tous les deux, t'inquiète. Là, ça devrait être mieux. Ok, vous nous dites dans le chat si vous entendez bien. Sinon, bah, de toute façon. Je n'ai pas vérifié. Ouais. moi, j'ai une question vis-à-vis de comment ça se passe bosser dans la presse en ce moment. Tu sais, j'ai l'impression qu'on on a cette impression que la presse, c'est un truc qui est de moins en moins... que les gens achètent de moins en moins des magazines. Ça, c'est, c'est la sensation que j'ai. Donc, comment ça se passe pour toi? Alors, je vais pas pouvoir t'apporter une réponse très précise dans la mesure où je suis free et que voilà, du coup, j'ai une vision assez extérieure de ce qui se peut se passer dans une rédaction, par exemple. Cependant, c'est vrai que l'image de la presse est plutôt une image d'un secteur qui est en perdition et qui vit des périodes difficiles. D'ailleurs, il y a beaucoup de numéros qui s'éteignent les uns après les autres. Ouais, maintenant, il y a aussi beaucoup de numéros qui arrivent
et des beaux numéros. Je pense notamment à Regain Magazine. Regain, c'est un magazine sur l'agriculture, sur la culture, enfin, qui est vachement bien fait. Ça, il a déjà 2 ans. Et enfin, je parle de ça parce que moi, j'ai une grande démarche de soutien de la presse. Je m'abonne vraiment à beaucoup de trucs. Ok. Donc, cela, Regain, je suis abonné depuis 2 ans. Je m'abonne aussi au 1. Le 1, c'est un hebdo qui va traiter d'un sujet d'actualité à la fois et qui est sous forme de journal, en fait. Donc, un journal format tabloïd, un peu, voilà. Qui n'est pas très épais, il doit faire 8 feuillets, je crois, 8 ou 12 feuillets. Voilà, qui est pareil, un truc de qualité. Alors, voilà, en fait, tout ça pour dire qu'on a la. Il y a une mauvaise image de la presse dans le sens où on se dit que ça va mal, que ça se casse la gueule et que ce n'est pas le secteur sur lequel on peut bosser. Mais parallèlement à ça, en fait, il y a énormément d'initiatives qui se font et des trucs très chouettes, très très beaux, avec des DA qui sont vraiment. Très belle. Il n'y a qu'à voir ce que font Violaine et Jérémy, un studio de graphistes qui font pas mal de DA d'édition. J'adore ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. On parlait d'inspiration, ça c'est clairement une inspiration pour moi. Ils ont travaillé pas mal pour Influencia, maintenant ils s'occupent de l'ADN. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et il y a de la belle presse. Si on fait l'effort d'aller en kiosque, c'est toujours pareil. En fait, il faut faire l'effort d'aller en kiosque et de regarder un petit peu les titres qui sortent, se tenir un peu à jour des nouveaux titres. Il y a pas mal de Kiss Kiss Bank Bank aussi sur des nouveaux titres qui veulent sortir. Alors après, voilà, les titres, ils peuvent sortir, durer 1 an, durer 2 ans, etc. Il y a tout ce que fait SoPress aussi, Society, SoFoot, etc. SoPress, c'est le bon exemple du groupe de presse qui sort des titres et qui a l'air de bien aller, en fait. Ouais, carrément. Voilà. Bah, je pense que du coup, il doit y avoir plus d'initiatives de qualité, comme tu dis, peut-être des gens qui en ont marre de tout le contenu qu'on se fait déverser dans la tête par Internet et... Quand tu vas chercher un vrai objet imprimé, tu sais que c'est tout à fait ça. Est différente. C'est entièrement vrai. Et ce que je vois de plus en plus sur tous ces titres-là, ces nouveaux titres dont je vous parle, c'est qu'il y a à la fois une volonté d'informer, dans le sens apporter une véracité dans les faits, des choses comme ça, mais aussi le côté objet. Le côté, voilà, on ne vous donne pas de la soupe à tenir dans les mains, vous avez un vrai objet qui peut être conservé, qui peut être dans lequel on peut revenir, etc. Voilà. Et voilà, ouais, c'est la tendance que j'observe aujourd'hui. Du coup, les graphistes, il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est clair. Voilà. C'est clair. Il y a du boulot, et il y a du boulot en maquette, il y a du boulot en DA, il y a du boulot en création de gabarit. Ouais. Il y a du boulot en photogravure, non, il y a du boulot, non, c'est clair, ouais, c'est clair. Allez, bon, bah, trop bien. Tu nous montres la suite de tes projets ? Ouais, bah, je pense que, bon, là, sur étape, on a fait un. Alors, moi, normalement, j'ai réglé mon problème de son. Ok. Ok, cool. Un autre projet, donc ça, c'est un magazine, c'est un annuel, et c'est typiquement un magazine que je fais pour une agence immobilière en Corse. Voilà, donc c'est un magazine que. Le magazine qui te donne envie de partir en vacances. Exactement. D'être riche. Voilà. Et alors, sur celui-ci, donc j'ai fait la refonte complète de la DA et aussi de l'objet en lui-même, puisque je suis allé jusqu'à choisir le papier, etc. En fait, il faut savoir que c'est un numéro qui a 10 ans cette année. Et là, celui que je vous montre, c'est celui de 2014. Donc, c'était le quatrième numéro. Ils en avaient déjà fait 3 en interne chez eux. Ils avaient envie de changer de maquette ou donner en tout cas une dimension différente à leur magazine. Donc, ils m'ont contacté pour faire une refonte totale à la fois de l'ADA, mais aussi de l'objet. Et ma réponse, ça a été de leur proposer de rester sur le format qu'ils avaient déjà. Comme ça permettait de faire une continuité, en fait, sur l'étagère, si on veut mettre l'ensemble des numéros.
comme c'est un annuel, en fait, les gens les gardent. Et puis d'assumer le côté magazine qu'ils avaient déjà mis en place dans les premiers numéros, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient à la fois des articles sur l'art de vivre en Corse ou l'esprit Corse, on va dire, et des annonces immobilières, parce que c'est une agence immobilière, donc Ok. des annonces. Ouais. Voilà, et donc les annonces ressemblent à ça. Alors, c'est pas des chambres d'étudiants hein, qui proposent, donc C'est bien. même si une chambre d'étudiants comme ça peut être cool. Mais Ouais. donc c'est là, on était plutôt sur un bien par page, ou voire même un bien sur deux pages. Donc j'avais vraiment la place de mettre des visuels. Et donc là, ici, les biens sont traités un peu comme si c'est comme si j'étais en train de montrer des articles, ou un peu comme l'esprit d'un portfolio. Ouais. Voilà, on présentait les biens. Et pour sortir un peu du cadre pour sortir un peu du cadre des catalogues immobiliers classiques, je voulais pas faire des grilles de photos avec toutes les photos de la même taille, alignées, tout le monde pareil, etc. Donc j'ai construit ce système de grilles qui permet en fait de tourner autour d'un point central et de distinguer ce qu'ils avaient à la location de ce qu'ils avaient à la vente. Donc là, par exemple, on est D'accord. sur une double page location. Donc, on vient tout de suite le nombre de chambres. Du coup, on comprend un petit peu à combien de personnes on peut venir. Et en fait, les photos sont toujours dans un bloc qui reste rectiligne pour les locations. Alors que pour les ventes, les visuels tournent toujours autour d'un point central et il n'y a pas forcément d'alignement sur l'extérieur, en tout cas. Donc, Ok. on est plus sur comme si on était face à un plan vu de haut. Des biens. Voilà. Et alors ça, c'était le premier numéro, c'était la refonte, et donc il y en a eu 6 depuis, et puis le dernier qui ressemble un peu. Ben, du coup, voilà, la maquette, elle n'a pas Ouais. changé pour Ouais, le du coup, coup. il y a une vraie pérennité Voilà, il y a une avec tout ce qui est pérennité, fourni aussi. exactement. La seule chose qui a changé cette année, c'est qu'on a rajouté des QR codes pour pouvoir en fait proposer à la personne qui lit le magazine, eh bien soit de lancer une vidéo directement depuis son téléphone, soit d'accéder à la page du bien en question pour louer tout de suite ou pour demander plus d'informations. Voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté de cette année, le petit pimp. Mais sinon, d'une manière globale, on a toujours ce principe de photos qui circulent à l'intérieur de la page autour d'un axe qui se trouve au centre. Ok, c'est marrant. Je pense que ce dont les gens se rendent pas forcément compte dans la mise en page et beaucoup le graphisme, mais vraiment la mise en page, c'est du Tetris quoi. Ah oui. Les Ouais. clients te balancent les éléments, il y a toujours trop de texte, il y a toujours pas assez de photos, il y a toujours le jeu, c'est de tout faire rentrer. Quand tu vois Ouais. ça a l'air évident et d'une grande, j'ai envie de dire simplicité, mais tu vois, la simplicité, c'est super dur à accomplir. Et en fait, c'est des heures à juste bouger ton Ouais. bloc pour trouver un équilibre, quoi. Ouais, et c'est ce que j'adore, moi, dans la mise en page, c'est tout ce côté-là, effectivement, l'architecture de la page, en fait, comment placer les blocs tout en ayant un équilibre visuel. C'est-à-dire que, en plus, là, sur les biens, à la vente et à la loc aussi, ce qui est assez intéressant, parce que c'est un petit challenge aussi, c'est de faire en sorte que la page tienne bien toute seule, mais qu'elle tienne bien aussi avec sa voisine, à gauche ou à droite. Et là, c'est assez cool. Enfin, moi, j'aime bien faire ça parce que, bon, évidemment, le chemin de fer enfin, il évolue, hein, jusqu'à la dernière minute de bouclage, le chemin de fer peut évoluer. C'est-à-dire que un bien peut sortir du magazine, soit parce qu'il est sous compromis, entre-temps qu'on a commencé la maquette, il est passé sous compromis, ou bien il y a un nouveau bien qui arrive, ou bien il y a une intervention de page qui fait que, du coup, je vais revoir un petit peu la disposition des blocs pour que ça puisse se répondre. Et c'est surtout le cas dans les pages, dans les locations, en fait, où là, on a ce petit losange qui indique donc le fameux nombre de chambres. Ce petit losange, il n'est jamais à la même hauteur d'une double à une autre. Par Ok. contre, sur la même double, il est toujours à la même hauteur. Et en fait, la position de ce losange-là, ça ne va pas choquer le regard du lecteur s'ils sont alignés les deux. Par contre, ça se choquerait si j'en avais un ici et un autre là. Ouais. Ou un tout petit peu plus bas, ce qui pourrait faire penser à une erreur. Et la position du losange, elle est toujours sur une gouttière horizontale. Ok. Donc en fait, ça, à la fois, ça me rajoute des contraintes, comme tu dis, effectivement, sur la position des blocs, pour que ce soit équilibré aussi, et tout ça. Mais aussi, ça me donne une assise, en quelque sorte, puisque j'ai défini une règle. Et cette règle-là, je l'applique. Voilà. C'est une règle qui me donne de la latitude, qui me permet de bouger à l'intérieur de la page.
Mais c'est une règle qui aussi me donne de l'assurance. Ok. Et est-ce que tu te considères comme étant un très très créatif au milieu de... Parce que j'ai l'impression, tu vois, les maquettes, c'est un truc, il y a tellement de règles, de colonnes, de trucs. Comment tu arrives à exprimer ta créativité là-dedans, dans une mise en page? Surtout quand tu bosses pour des magazines, tu vois, il y a déjà tellement de contraintes. Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Alors, c'est une question très complexe parce que je pense que moi-même je ne l'ai pas résolu. Mais c'est intéressant parce que c'est un vrai questionnement. Alors, je pense que je ne suis pas un créatif dans le sens où je ne crée pas d'images. C'est-à-dire que je ne dessine pas. Je fais un peu de photos, mais c'est vraiment pour le perso. Je ne vends pas du travail photo. Je dessine pas, je crée pas de caractère, etc. Par contre, je crée des ouvrages et je place un peu mon rôle en backup, enfin en sous-marin. C'est-à-dire que je considère que mon boulot il est bien fait quand on s'en rend pas compte. C'est-à-dire en fait quand la page est agréable à lire, quand l'objet qu'on tient dans les mains sert le contenu. C'est-à-dire qu'on distingue très bien quel est le titre, où se trouve la légende et où se trouve le texte. J'aime bien quand l'œil n'accroche pas sur des lignes de texte. J'aime bien quand les gens me disent bah, j'ai lu tout ça d'une traite. Et c'est tant mieux en fait, parce que ils disent ah non, c'est difficile à lire, j'ai mal au crâne, enfin, etc. Voilà. Donc. C'est marrant que tu dis ça parce que tu sais, quand tu montrais la page de étape, là, je me disais, purée, c'est un étape là, et il n'y a que du texte quoi, sur le numéro 200. Ah Et oui, en ah oui, oui. fait, je me suis surprise à lire tout le paragraphe en 2 secondes, alors qu'on Ouais. était en train de discuter et tout, tu vois. Et je me suis dit, ah si, en fait, ok, d'accord, ça marche quoi. Bah, le 200, c'est un numéro très particulier. C'est vrai qu'il y a très peu d'images, c'est énormément de texte. Donc mais là, disons que c'est un parti pris. Donc après, on assume ce Ouais, parti carrément. pris de vouloir faire des choses. Mais du coup, je me disais, ouais, c'est compliqué de faire un numéro d'étape avec aussi peu d'images. Et en fait, finalement, c'est vrai que la mise en page, ça te fait vraiment rentrer dans le texte, quoi. C'est hyper Oui, important. alors en plus dans le numéro 200, mais ça c'est tout l'art de Susanna, qui pour le coup elle est une vraie créatrice, c'est que elle mélange, il est où mon 200? Il est tac, 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 il est là. Si on reprend les choses, en fait il y a des exergues, en fait il y a des relances visuelles. C'est-à-dire que même si c'est que du texte, c'est un bloc visuel dans la page. Voilà. Donc, le fait de jouer sur les couleurs, sur les corps, parfois même sur les typos, etc., va permettre de relancer l'intérêt Ouais, pour c'est ça. retomber dans la page. Et en fait, c'est tout en presse, on se sert énormément de ça. Quand on parle d'une exergue ou d'une citation à l'intérieur d'un article, c'est fait exclusivement soit pour relancer la lecture, relancer l'intérêt sur un 4 pages, par exemple, ou bien pour accrocher. C'est-à-dire que si le lecteur n'a pas accroché sur l'image qui ouvre l'article, il peut peut-être accrocher sur la citation. Ouais. Et ça, c'est tout le travail du SR, du secrétaire de rédaction ou de l'éditeur, c'est de réussir à trouver la bonne phrase dans le texte pour en extraire le contenu, et ensuite au graphiste ou au DA, de la rendre suffisamment attrayante pour pouvoir accrocher le regard. Voilà. Ouais, parce que du coup, t'en parles avec beaucoup d'humilité, alors qu'en fait, c'est super important, quoi, de... Ah bah, encore une fois, je pense Ouais. qu'il faut être, enfin, faut savoir être humble. C'est-à-dire que moi, je me considère plus comme un metteur en page que comme un créatif, hein, pour continuer de répondre à ta question. Je vais te montrer un autre exemple qui illustre un peu ça. C'est un catalogue pour un client qui s'appelle Pinto, qui fait des meubles. Alors, c'est des meubles, c'est archi luxe, hein. Le catalogue papier, il fait ça. Ouais. Il Ok. est gros comme ça, ouais, c'est Ah ouais, c'est un du gros bouquin. papier, ouais, c'est un gros Ouais. bouquin. Pourtant, il n'y a que 150 et quelques pages. En fait, finalement, c'est pas tant que ça, mais c'est un papier bouffant qui fait exprès pour donner l'impression que c'est Ok. un gros pavé. Et là, alors là, c'est typiquement le genre d'exercice que moi, j'aime bien faire. Parce qu'en fait, quand tu regardes un peu les objets, enfin donc c'est un catalogue, hein, je rappelle, c'est un catalogue. Donc l'objectif du catalogue, c'est de vendre des produits. Donc il faut mettre en avant les produits. Donc moi, mon travail, il doit être absolument transparent. Je ne peux pas dire bah, c'est Jean-Loup qui a fait ça. En tout cas, pas dans la maquette. La maquette doit servir le produit. Voilà. Donc après, c'est comment est-ce que moi je me mets au service de mon client ou comment est-ce que je me mets au service de mon produit. Donc oui, effectivement, il faut de l'humilité. Enfin, en tout cas, il faut un certain effacement de soi pour que le travail
plaisent à la fois au client, mais aussi lui servent, hein, parce que lui, ça lui permet derrière de présenter ses produits. Donc tous les choix de DA, ça va sur la typo, sur le papier, sur les couleurs, etc., doivent être en accord avec la direction artistique globale qu'on donne au truc. Hein. Ah, c'est vraiment chouette. Alors du coup, il y a Knoxbam, on va dire ça n'importe comment, qui nous dit, bah, pour ton projet d'avance, ça fait presque magazine d'architecture. Il y a Daniel qui nous dit, quel beau travail, c'est vraiment top. Et je pense qu'il découvre le monde éditorial et il dit que c'est super intéressant de découvrir ça. Merci. C'est vrai. C'est ouais, j'aime bien tout ce que tu racontes parce qu'il y a... Ouais, je trouve qu'on apprend plein de choses sur un milieu. On a reçu beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de choses comme ça, et là, du coup, c'est une autre vision de ce que ça peut être la création graphique. C'est aussi super important, l'édition, c'est partout, quoi. Ouais, bien sûr. Oui. C'est vrai que il y a énormément de disciplines, hein, dans le milieu de la création, etc. Et notamment quand on parle de graphisme. Je sais que tu avais reçu des jeunes typographes et qui font aussi de l'édition. Voilà. Donc, à la fois, il y a plein de disciplines, mais il y a aussi plein d'écoles et plein de manières de faire. Voilà. Oui, allez voir la. Alors, c'était Morgane Ventor qui nous Ouais, a super. fait voilà, une session il y a 2 semaines, qui nous a parlé. Elle est très jeune et déjà tellement pleine d'idées. Allez jeter un œil à Exactement. sa session. Elle faisait de l'édition, donc des projets pour l'instant encore un peu perso, et surtout une typo. Elle est en train de créer sa propre typo, un truc complètement fou dans le C'était une super détail. session très, Ouais. très inspirante. Et Ouais. voilà, ça aussi, c'est de l'édition. Ouais, ça c'est vraiment de Il peut y l'édition. avoir énormément de créativité, elle en est la preuve, dans de l'édition. Après, c'est sûr que quand on répond à une commande, il faut savoir à la fois apporter son expertise de DA ou de graphiste, et puis aussi son expertise de metteur en page et de technicien en quelque sorte, hein, parce que voilà, j'accompagne sur tous les projets que vous avez vus, à part étape, j'accompagne les clients jusque chez l'imprimeur. Ah Donc ouais, ça c'est super je fais important. les contrôles de gravure sur place, la signature des BAT sur place, etc. Ça va jusque-là. Quand on parle de direction artistique, par exemple, sur un projet d'édition, pour moi, c'est un rôle de chef de projet, en fait. C'est-à-dire que ça va de la constitution du chemin de fer, enfin, en tout cas de la participer à la conception du chemin de fer, jusqu'à la mise sous pli, presque, derrière. Voilà, Ouais, donc, c'est pas juste dire, bah voilà, faut faire ça comme ça, c'est comme ça, c'est aller jusqu'au bout et dire, Ouais. voilà, bah, ce que j'ai pensé, tout ce qu'on a pensé pour le magazine, bah c'est comme ça, et voilà, là c'est bon, les couleurs, les trucs. C'est Donc, ça, et en je fait, connais un il y petit a. peu, c'est pour ça que j'en parle, mais, Oui. mais voilà, Mais ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects cachés. Il y Tout a à fait, ouais. beaucoup de choses qui se font dans les coulisses et qu'on ne voit pas forcément et qu'on a du mal à expliquer, même d'ailleurs. Mais effectivement, Ouais. ça implique tout ça. Oui. Et la bonne relation entre avec l'imprimeur pour que le résultat soit les attentes, ce qu'il Oui, faut bah, sur son sol. il faut effectivement bien discuter avec son imprimeur, dans la mesure du possible, imprimer pas trop loin de chez soi, Exactement. voilà, pour pouvoir être là au calage et pouvoir être réactif sur des cas techniques un peu difficiles peut-être. Ouais. Est-ce que t'en aurais eu un de cas difficile là? Est-ce que t'en as un qui devient tout de suite un peu compliqué ou pas? J'ai un truc tout bête, oui, un truc technique tout bête, mais sur les losanges là du magazine, par exemple le magazine Corps, j'en montre encore un autre numéro. Voilà, ces losanges là. Si on regarde un petit peu la manière dont ils sont faits, en fait, j'ai trois graisses. J'ai un gras, un régular et j'ai un italic light dans un bloc noir. Alors ça, l'italic light dans un bloc noir, c'est C'est hyper compliqué. touchy. Ouais, c'est Ouais. hyper compliqué. Si on fait un noir quadri, c'est-à-dire si on Oui. fait un noir composé de deux ou des quatre couleurs CMJN. Par contre, si on fait un noir qui est exclusivement constitué de la plaque du noir, ben là, on a zéro problème, puisqu'en fait, c'est comme un pochoir, si vous voulez, qui est présent que sur la plaque du noir. Bon. Et alors, donc les losanges sont conçus comme ça, c'est-à-dire que c'est un noir 100%. Il n'y a pas de cyan, pas de magenta, pas de jaune.
Par contre, il est en défonce. C'est-à-dire qu'en fait, il creuse les photos qui se trouvent derrière pour Ouais. éviter justement d'avoir des noirs quadris qui vont décider en fait, Ah les oui, photos ok. qui se trouvent Ouais. derrière. Et il faut savoir que par défaut, les RIP, donc les RIP sont les logiciels qui permettent de passer du PDF sur la plaque, donc la plaque physique qui va permettre d'imprimer sur l'offset derrière. Par défaut, les RIP, ils détectent les noirs qui sont à 100% pour les passer en surimpression. C'est-à-dire que même si dans votre D'accord. InDesign, vous êtes bien en défonce avec une seule plaque, en fait, il faut dire à l'imprimeur de décocher la case qui transforme les noirs 100 en noirs en surin. Ouais. Ok. Et Voilà. en fait, Et une et fois. si, Et, ah. ouais, si il fait pas ça, du coup, Bah, le s'il fait pas. noir, il mange la typo italique là, et après, Alors, non, attends, s'il ne qu'est-ce fait qui pas se ça, passe? non, le noir, Ouais. il reste uniquement avec la plaque du noir. Par contre, il passe en surimpression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas D'accord. de, il n'y a pas de défonce des images, des photos derrière. Et Ouais. donc, par exemple, ici, on verrait On le aurait coin de une cette ligne photo-là exactement. à l'intérieur, oui. Voilà. Voilà. Ouais. Et bon, voilà, ça participe au fait Ouais. que Bah, ton. c'est comme c'est des designs. Moi, j'avais fait un magazine aussi, mais en fait, je l'avais fait pour moi, pour mon studio photo. Et ça Ouais. faisait des années que j'étais plus graphiste. Et j'ai fait l'erreur de débutant, c'est que j'ai pas mis ma typo en 100%. En 100% de noir, et du coup, bah, c'était des petits points de quatre couleurs, tu vois. Ouais. Donc après, c'est pas grave, il y a que moi qui le vois, mes clients, ils ont jamais dit genre, ah, mais quand t'arrives, tu fais genre, oh mon Dieu, l'erreur de débutant. Mais ça, c'est, en fait, on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail, il faut tout C'est savoir, énormément de tu vois. travail, et puis là, donc, on en voit deux, des blocs comme ça, mais il y a 184 pages, hein, dans le Ouais. magazine, donc il y a à peu près Il faut tout un petit. vérifier, quoi, c'est Ouais, il un faut tout truc. vérifier. Donc en fait, tu n'as pas le temps de tout vérifier. Quand tu dois monter, là, c'est un annuel, ce catalogue, mais je le monte en un mois à peu près. Ok. Donc, quand tu dois le monter en un mois et puis tu n'as pas que ça à vérifier, c'est là où tu commences à rentrer un peu plus dans la notion d'automatisation et de contrôle en amont automatisé, des choses comme ça. Voilà. Donc, Ouais. mais là, c'est plus la partie technique. Mais cette partie technique, elle est au service de la créa. Parce que Ouais. une fois que j'ai automatisé ou scripté, etc., je sais que du coup, j'ai du temps. Eh ben, pour varier mes montages de photos dans les grilles, pour changer d'une. Enfin, je sais que du coup, je peux autoriser mon client à changer les pages au dernier moment parce que, en fait, j'ai que ça à faire, entre guillemets. Toute la Ok. partie technique, elle est censée se faire toute seule. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est Voilà. un gros boulot de tout faire bien avec amour, en amont. Ouais, et puis alors, si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont envie de travailler comme ça dans l'édition et dans la presse, c'est franchement, n'hésitez pas à aller sur place chez les imprimeurs. Vous Ah, je allez, confirme. en 10 minutes, vous apprendrez beaucoup plus Ouais. que en Ouais, deux carrément. projets. Voilà, donc. C'est vrai que moi j'avais fait un BTS com visuel dans édition, print et tout, et on a un stage en imprimerie qui est obligatoire. À l'époque, il y avait 2 semaines de stage en imprimerie pour voir comment ça se passait et tout, et je pense que oui, ils avaient raison quoi. C'est Non, mais indispensable. c'est hyper important. Moi aussi, je fais 15 ans de presse et j'ai jamais autant appris qu'en étant aux côtés de l'imprimeur. En Ouais. plus, avec lui que tu travailles, donc forcément, s'il y a une bonne relation et que tu fais les choses comme il faut, il va te dire, ah bah tiens, là, vaut mieux le faire comme ça, ou là, ça passe comme ça. Mais en fait, comme tu dis, Jean-Loup, tu gagnes du temps. Donc en fait, tu as un peu plus de temps pour vérifier les choses que tu ferais pas d'habitude parce que tu es un peu récrac, tu as le bouclage, voilà. Voilà, et après, avec l'imprimeur derrière, ça roule tout seul et tu perds Tu pas de gagnes temps, quoi. des heures de sommeil aussi. Oui, voilà, c'est parfois Alors, les fun fact, bouclages, moi, voilà. mon tout premier job, j'étais chez l'annonceur et justement, ils m'ont pris pour faire un catalogue. Et Ouais. le jour où je l'ai envoyé à l'imprimeur, mais le jour où on devait les recevoir, j'ai fait nuit blanche, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va mal sortir? J'étais mais terrorisée parce que, comme du coup, j'étais chez l'annonceur, j'étais toute seule. J'avais fait mon catalogue de 150 pages, la sortie d'études, machin, un truc de luxe et tout, mais. Je me rappelle la nuit que j'ai passée juste avant que les cartons arrivent. Ouais. Non, c'est sûr que si on veut être tranquille, effectivement, et du coup ne pas être, comment dire, ne pas être censuré dans la créa et dans l'inspiration, c'est sûr que maîtriser les aspects techniques aide vachement. Voilà. Après, il faut pas se limiter non plus. Puis Non, carrément. tout est rattrapable. Puis Et aujourd'hui, puis après, tu vois, je pense que maintenant, si c'était à refaire, enfin, c'est aussi à refaire. Je pense que maintenant je m'entoure beaucoup mieux. Si moi j'ai pas les connaissances techniques, je vais Exactement. aller faire relire mon fichier. Je vais dire, tu peux regarder s'il n'y a pas un problème par quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense qu'il faut pas s'isoler non plus, quoi.
Bah, c'est ce Tout que à fait. disait Fabien Barral, Mister Cup, quand il faisait ses affiches et son calendrier. C'est qu'il est arrivé chez l'imprimeur, comme il connaît, il dit, bon, on va faire ça. Il dit, oh, je sais pas si je vais pouvoir le faire ou des trucs comme ça, mais tu vois, comme il est avec lui, c'est ce qui permet de pouvoir faire des choses que bah, maintenant tout le monde regarde. Ouais, Parce allez voir la que, session. C'était ouais, la semaine dernière. c'était. Mister Cup, c'était vendredi dernier. C'était incroyable. Il nous a parlé de letterpress, de tout ça, vraiment de toutes ces techniques. Et justement, que lui, il allait faire expérimenter, faire des idées impossibles à réaliser. Et après, avec son imprimeur, Exactement. il était là en train de t'arracher les cheveux et de dire OK. Ouais, Ouais, quand on a une relation comme ça avec son imprimeur, c'est top. C'est top. Je Ben vous mets voilà, donc ça le lien de la c'était. session. Hop, ouais, je vous mets le lien de la session dans le chat, comme ça. Pour aller faire un petit tour. Hop là. Alors oui, montre-nous Je sais plus ce que comment on tu as en sort de stock. là. Toc. Voilà, non, bah ça c'était le Hop. dernier numéro. Après, ça c'est un petit projet, parce que je fais aussi des petites paginations. Ça c'était un 32 pages OK. pour Nespresso. Nespresso qui a sorti Lexi-Lexique. Lexi-Lexique. C'est pas pour du dyslexique. C'est Alors moi, super dur à dire. je ne dirai Oulala. rien. Je ne dirai rien. Voilà. C'est Jean-Louis, on va le dire. Voilà. Ah Non. Et donc voilà, ça c'était une petite DA bien sympathique à faire. Alors c'est pour l'agence hein, qui s'occupe de Nespresso. C'est-à-dire, c'est pas mon client direct. Enfin, mon client direct, c'était une agence. Et là-dessus, moi j'ai fait le principe graphique et la DA, puis j'ai livré des gabarits qui ont ensuite été montés par les équipes de l'agence en question. Donc mon travail, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire en fait faire une DA et monter des principes de page, mais ensuite l'exé, elle est confiée à quelqu'un d'autre. Donc après, moi, je fabrique les gabarits comme il faut et avec les automatismes qui vont bien. Mais voilà, donc là c'était, j'ai signé la DA, mais pas l'exé du truc. Ok. Voilà, bon, c'est un gros tirage là pour le coup, je Ouais. crois qu'il y avait. Moi, je travaille plutôt sur des tirages à 10 000 exemplaires à peu près en moyenne. Voilà. Là, on était sur un truc plutôt à 50 000, je crois, 60 000 exemplaires. Truc un peu plus gros. Déjà pas mal. Voilà. Ouais. Et puis, bah, après, qu'est-ce que j'ai? Bah, là, c'est le. Après, j'ai les. Je fais aussi des tutos. Je fais aussi Oui. des tutos. Donc, ça, Ah bah c'est. alors tiens, je vais enchaîner sur du coup, j'ai une question de Greg qui nous demande Oui. est-ce qu'on peut voir un petit coup dans InDesign des explications de ce que tu dis, par exemple au sujet du losange ou des choses comme ça. Alors c'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui c'était plutôt une session parler du monde de l'édition, de la création et tout, et que du coup voilà, du coup On verra si on a ce sera si on a le l'occasion temps, ouais, si on... Bah, de avec revenir. ouais, je reviendrai bien, mais après j'avais fait une session il y a 4 ans sur la chaîne C'est ça. Adobe où j'avais déjà montré J'ai... donc ce premier numéro-là. Et il me semble qu'à un moment donné, je fais la séparation des plaques. Oui. Donc il faudrait se cogner. Je vais retrouver ça, je cherche, je Voilà. l'espère, Et, mais j'arrive. voilà, sinon dans InDesign, vous faites la séparation des plaques et puis vous verrez si vous êtes en défonce ou pas. Voilà, sachant que toutes les couleurs dans InDesign sont en défonce, sauf la couleur noire qui, elle, est en surimpression. Ok. Et je m'arrêterai là. Oui. Voilà. Merci. Parce que Mais sinon, sinon. après, pour en parler, il y a les iDog, les Oui, IDUG, voilà. Après, il y a les IDUG. Voilà. Là, c'est pas mal de ressources. Mais aujourd'hui, c'est de la c'est un petit créa. peu Voilà. compliqué. De la créa. Alors. Et là, je voulais vous montrer donc, un des tutos que je fais, que je propose sur tuto.com. Parce que ça fait un an tout pile là, que je suis sur tuto.com. Je propose des tutos. Et là, c'est un catalogue. Alors, évidemment, il n'a pas été imprimé en vrai, mais c'est un catalogue que j'ai fait et que je propose d'apprendre à faire. Alors, je parle pas mal de trucs techniques là-dessus aussi. Et alors, pour la petite histoire, les photos que j'ai utilisées sont des vrais visuels et les textes aussi sont des vrais textes. Puisque Supply, c'est une vraie boîte. C'est un couple d'Américains qui ont monté leur petite start-up de Alors, rasoir. vrai qui s'oppose à prendre des images de stock et émettre du faux texte, lorem Exactement. ipsum. Absolument. Voilà, c'est ça. Merci.
Merci Pauline pour la précision. Et voilà, non, voilà, c'est du contenu réel qui existe. Simplement, les textes, je les ai traduits en français parce qu'ils sont tirés de leur site en anglais. Et en fait, au moment où j'ai commencé à faire le tuto, en fait, dans mes formations que je donne en présentiel, je le fais toujours mes formations avec du vrai contenu. Ça permet de bien se projeter, etc. Et là, pour le tuto, j'avais un besoin voilà, de trouver exactement la même chose pour ce catalogue-là. Et du coup, je les ai contactés parce que il se trouve qu'ils avaient mis quelques-unes de leurs photos sur Unsplash, qui est un site de photos libres de droit. Et en les sélectionnant, je les ai contactés en disant, bah voilà, est-ce que je peux utiliser toutes les photos? Et puis surtout, est-ce que je peux utiliser les textes de votre site, quoi? Parce que, alors, même s'ils sont pas, même si je les traduis en anglais, enfin en français, pardon, depuis l'anglais, ça reste leur texte à eux, quoi. Et ils m'ont répondu hyper gentiment, oui, bien sûr, aucun souci, on n'a qu'à faire un échange de bons procédés, tu nous files le fichier du gabarit et on te file les, enfin, on t'autorise à utiliser les textes traduits et nos images. Donc c'est cool parce que du coup, ça permet d'avoir des pages qui sont hyper riches en Ah, c'est contenu et cool. en matière. Et puis ils ont fait un travail, enfin ils ont déjà des photos qui sont juste trop belles, Ouais, quoi. ils ont déjà une direction artistique qui est déjà. Complètement. Voilà. Donc du coup j'ai monté leur catalogue comme si c'était un vrai projet, comme si c'était devenu mon client et que voilà. Et puis j'ai pu aboutir du coup à ce résultat-là. Trop bien. Voilà, En donc plus, il y a un truc cool à prendre du vrai texte, c'est que le lorem ipsum, on a tous triché à un moment. Si ça dépasse d'une ligne, on supprime quelques mots et ça se voit pas, quoi. Là, du coup, tu es exactement. obligé de faire avec la matière. Exactement. Et dans la contrainte naît la créativité. Enfin, c'était un peu bateau ce que je dis, mais parce qu'il y a cette contrainte justement du nombre de caractères, etc. On cherche des solutions créatives pour faire en sorte que ça rentre, quoi. Donc, et moi, je préfère créer comme ça. Par exemple, dans mon processus de création, je ne commence jamais sans rien, enfin à vide, quoi. J'y arrive pas. Il y en a qui ont tout de suite des idées, etc., qui vont commencer à produire des refs et tout ça. Moi, si j'ai pas lu les contenus avant, je sèche complètement. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir avec quel matériel je vais devoir composer pour pouvoir me lancer dans un format, dans un choix de typo, dans une maquette, etc. C'est peut-être Ah bah aussi. tiens d'ailleurs, transition. Excuse-moi. Est-ce que tu nous parles un peu de typo? Parce que c'est super important. Oui, c'est très important. Comment veux-tu que je t'en parle? Dans le Bah choix des comment typos, par tu. exemple? Ouais, comment tu choisis ça? Est-ce que tu as des typos de l'amour? Est-ce Alors, je suis pas un graphiste ou un metteur en page qui a une typo chérie en particulier. Je sais qu'il Tu y en fais a pas qui. tout à la Dean comme. Je fais pas tout à la Dean Ouais. ou tout au Franklin, voilà. Mais par contre, j'en ai pas non plus beaucoup en fait des typos que j'utilise. Celles que j'utilise dans le magazine Corse, par exemple, c'est du National de ClimType Foundry, donc de la fonderie ClimType. Dans la première version, parce qu'entre-temps, il a sorti une deuxième version, le National 2, avec du condensé, etc. Mais là, c'est dans la première version. Parce que je l'ai acheté en 2014 et il n'y avait que celle-ci qui sortait. Et en fait, ça fait 7 ans que je l'utilise, du coup, puisque c'est le 7e numéro que j'ai fait cette année. Et je m'en lasse toujours pas. J'ai toujours l'impression de la redécouvrir à chaque fois, dans les étals, dans les approches et tout ça. J'adore la travailler. Alors qu'au départ, c'était vraiment une proposition de choix. C'était une linéale que j'aimais bien pour son dessin. Puis elle était moderne. Alors, je travaille beaucoup avec des typos de typographes vivants. Ça, D'accord. c'est l'un de mes choix. Mais alors, Du coup, Dido Garamond et tout ça. oui, après, il y a des exceptions. Par exemple, dans le Pinto, j'ai pris Mrs. Eves. Je crois pas qu'ils soient encore vivants. Mais le National, la typo est d'un typographe contemporain. Parce que je me dis, bah, voilà, autant faire vivre des Tout créatifs à fait. d'aujourd'hui qui ont besoin de vendre, etc., plutôt que de faire vivre des ayants droit, quoi. Enfin, voilà, c'est un Ouais, peu. carrément. Bah, du coup, comment tu les trouves, ces typographes vivants? C'est quoi ta source pour aller
Étape, déjà, c'est Ouais. un bon vivier. Et, ensuite, Twitter, j'ai pas mal de, enfin, je suis pas mal de fonderies sur Twitter, ou pas mal de typographes aussi directement aussi. Slanted, un blog, ils sont allemands, je crois, au départ, même s'ils sont en anglais, Ouais. qui va recenser pas mal de typos. Puis après, j'ai mes fonderies que j'aime bien. Et donc je vais voir régulièrement ce qui se passe. En gros, tu fais de la veille, quoi. Oui, c'est ça, exactement, je fais de la veille. Mais même sur, parce y a Adobe Font aussi, je me sers d'Adobe Font sur certains des projets. Et même quand je vais dans le catalogue d'Adobe Font, j'aime bien regarder les typographes ou les fonderies qui distribuent la typo pour pouvoir ensuite faire ce choix en fonction de qui l'a dessiné, pourquoi, quand, comment, etc. Ouais, et puis surtout que maintenant on peut trier par fonderie, par plein de choses, donc Est-ce on est qu'on peut assez trier libre là-dessus. par il est vivant ou il est mort Non, je crois pas. Oui, tu as un filtre vivant ou mort. Je crois pas. Mais après, bon, il faut, c'est comme tout. Enfin, si on rentre un peu dans le sujet, etc. Il y a, par exemple, ma typo préférée, c'est le Banco, de Roger Excoffons, un typographe français des années 60, 70. Bon, il est mort, voilà, mais je l'ai jamais utilisé. Pourtant, ça reste ma fonte préférée. D'accord. Mais À après, quoi dans elle un. ressemble? Vas-y, Ah, montre-moi vite fait le sur Banco, ton Google Images ouais, là. tout le Elle est monde la dans ton connaît. Hein. fond. Ouais. Ça y est, j'ai Tout fait une vanne. le monde la connaît, cette fonte-là. Banco, Ouais. Excoffons. Clac. Image. Pendant ce temps-là, j'ai mis les liens Voilà. de Ah oui, je la vois très sur bien. Word. Oui, ok. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est dure à caler aussi. En affiche ou en truc Ouais, carrément. Trop bien. en devanture, elle fait beaucoup de devanture Alors, tu dis ouais. que c'est ta fonte préférée, c'est quoi que tu aimes dedans? C'est quoi ce que j'aime dedans? Ouais. En fait, c'est le côté dansant de chacune, le côté un peu gueule cassée, Ok. les aspérités, toi le B qui est pas conventionnel, avec un mélange de courbes et d'angles. En fait, moi, j'aime bien les trucs un peu abrupts. Voilà, et j'aime beaucoup. Et il se trouve que ça remonte à quand j'étais à l'école. Moi, j'ai pas fait d'études d'art appliqué avant le DSA. C'est-à-dire que j'ai fait un DSA à Estienne, mais avant, j'ai fait un DUT, information communication, j'ai fait de la stratégie de communication. Et donc, Ok. je suis arrivé dans le graphisme grâce à mon stage de fin de DUT, voilà, où je me suis dit, putain, en fait, c'est vachement cool et j'ai envie de faire ça. Et je suis rentré à Estienne en DSA, mais je suis arrivé en tant que stratège, parce que j'ai fait un DSA qui s'appelle Art et Technique de la Communication. Donc, en fait, c'est un diplôme qui permet de mélanger des gens qui viennent des arts appliqués et des gens qui viennent d'univers de la communication plus général. C'était mon cas. Donc, moi, je suis arrivé avec une culture graphique qui était pauvre par rapport à quelqu'un d'autre qui avait fait tout son parcours supérieur dans les arts appliqués. Et en fait, il se trouve qu'on a eu un super prof de typo, Robert Barret, et c'est l'une des premières fontes qui nous a décortiqué. Et moi, je suis tombé en admiration et jamais j'avais pensé qu'il était possible d'aller aussi loin dans la description d'un caractère. Enfin, pour Ouais. moi, voilà. Donc c'est à la fois, en fait, pour moi, cette fonte-là, c'est aussi. Comment dire, le début de l'apprentissage de la typographie. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas. C'est assez émotionnel, finalement, le rapport que j'ai Ouais. avec cette C'est typo-là. comme les premiers films qu'on voit quand on commence à être ado qui nous marquent. Oui. Oui, Là, voilà, tout à c'est. fait. Ok. Exactement. C'est ça. Trop Oui, bien. y a ça. Puis après aussi, le fait de côtoyer. Bah, comme tu le dis, quand tu as un bon prof, super prof. Bah, c'est vrai, tu dis, ah ouais, c'est génial. Ou de côtoyer des gens qui te parlent de typo, qui te donnent plein d'infos, plein d'envie. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te demande ce que tu trouves beau dedans, parce que je trouve ça Bah, super oui, bah, en intéressant fait, de voir. ce que j'aimais, c'est pas mon travail, c'est le sien à mon prof, justement, à Monsieur Barret, c'est que lui, il collectionnait tous les supports sur lesquels il y avait du banco, et ça pouvait aller Ah du oui. tuning de voiture sur le Ah, pare-brise arrière. c'est trop bien. À Ah ouais. Dunkerque jusqu'à des vraies affiches faites par des grands DA, etc. Voilà, Ah oui. Enfin, Ishekar a utilisé le Banco il y a pas
pas très longtemps sur un des supports qu'elle a fait, une grande graphiste que j'adore. Et voilà, donc il y a des trucs. Et il a collectionné tout ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, l'étendue des possibilités avec un caractère, c'est assez dingue, quoi. C'est assez ouf. Et puis ça fait du bien que ça soit pas l'Helvetica, tu vois, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça tout change à fait. Un peu, quoi. Ouais, c'est une typo forte et tout ça. Après, c'est sûr que c'est pas facile à utiliser, surtout qu'elle, elle existe qu'en capital. Ouais. Mais donc, c'est pas facile à utiliser. Mais je m'en sers pas. Enfin, j'ai la licence. Hein, mais j'ai la licence. Je pourrais m'en servir. Je l'ai acheté. Mais je m'en sers pas. Ok. Oui, parce que ouais. Forcément, avec une typo, il y a une licence. Bah oui. C'est pas gratuit, une typo. Non, non c'est pas gratuit. Il y a des gens qui travaillent. Mais il y avait d'ailleurs, je sais plus combien de temps, Zaiden Treasure of Boss avec Adobe où ils avaient recréé, enfin, ou terminé les fontes qui étaient du boss. Et je sais plus s'il y a un an, un an ou deux. Et c'était assez cool de voir le boulot aussi derrière. Enfin, c'est le boss. Mais... Enfin voilà, je sais pas si. Bah écoute, il nous reste 5 minutes, donc du coup tu conclus comme tu veux. Si t'as envie de nous montrer un autre projet, si t'as envie de parler. Non, mais parce qu'on parlait de fonte et de typographe, justement peut-être pour conclure, il y a une de mes activités aussi. Enfin, c'est assez récent, mais c'est de créer des scripts dans InDesign. Du coup, comme on parlait un peu d'automatisation, etc. Et il y a un script que j'ai écrit il y a quelques semaines. Qui s'appelle Deliver Glyph, et au départ moi je l'ai écrit, alors c'est un script qui permet en fait de sortir tous les glyphes, donc tous les caractères d'une typo à l'intérieur d'un fichier InDesign, parce qu'il n'y a pas de fonction native à InDesign qui permet de le faire. Vous pouvez écrire les choses à la main ou vous pouvez aller chercher dans le panneau glyphes, mais il n'y a pas de fonction qui permet de sortir tous les glyphes d'un coup, et du coup c'est un script que j'ai écrit qui permet de le faire. Et au départ, moi, je l'ai écrit pour des raisons de production, lambda. Et il se trouve qu'il est hyper apprécié par les typographes. Enfin, j'ai eu énormément de retours de typographes, justement, qui l'utilisent pour pouvoir sortir des échantillons de leur caractère dans InDesign. Voilà. Donc, ça boucle la boucle, disons, avec la notion de typo qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, carrément. J'ai mis le lien dans le chat, comme ça les gens pourront aller voir sur ton blog comment ça fonctionne. Ok. Ouais. Merci. Voilà. Je sais pas si. Oui, y a c'est ça. Questions. Y a le. C'est quoi ? C'est un plugin FontSelf. FontSelf qui permet de créer sa propre typo. C'est ça. Oui. Donc ça. Si vous avez envie de vous jeter dans l'aventure, je pense que c'est cool. Là. C'est un truc drôle à expérimenter. Oui. Toi, t'as envie de créer des typos ou vraiment, toi, c'est vraiment la mise en page? Alors, moi, je me sers de FontSelf. Je m'en suis servi d'ailleurs dans mon dernier projet ici, pas pour créer des typos, mais pour mettre les icônes en typos. Alors, en fait, là, dans le dernier, il y a des petites icônes, je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Ouais. J'ai des petites icônes qui ont été dessinées par une illustratrice qui s'appelle Julie Serre. Et en fait, dans InDesign, c'est assez compliqué de venir insérer des typos dans les textes. Enfin, il faut faire des objets ancrés. Enfin, c'est possible, hein, voilà, mais il faut faire des objets ancrés et tout ça. Et en fait, moi, pour éviter d'avoir à faire ça, j'en ai fait une fonte. Donc, en fait, au lieu de mettre des lettres, je mets les icônes. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc j'exporte un peu comme une ZAPF ou une WinDigs. C'était une batte. Exactement. Et donc là, en fait, c'est ma propre ZAP, entre guillemets. C'est-à-dire que là, je leur assigne une lettre à chacune et puis je viens la chercher dans cette police-là. Voilà. Ok. Donc moi, je me sers de FontSelf comme ça. D'accord. C'est toujours super malin de voir les outils qui sont faits pour un truc et qui sont détournés pour faire autre chose. J'adore. Tu vois. J'adore ça. C'est ce que je préfère, en fait. Ouais. Moi, c'est pareil, FontSelf, je m'en sers, mais pour les logos, en fait. Comme parfois tu dessines ou selon ce que tu fais, j'en fais une typo, mais juste avec les lettres que j'ai besoin, comme ça après quand j'ai besoin de changer. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? Si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, j'ai une question de Sylvie qui dit Robert Barrette ou Barrette, mais elle a changé l'orthographe à chaque fois.
Comment on appelle Robert Barrett? Robert Barrett, c'est B-A-R-E-T. Ok. Merci. Et il me semble qu'on est pas mal sur les questions. Je pense qu'on est bon, hein. J'aime beaucoup ton état d'esprit d'utiliser des typos contemporaines, Mélocoton nous dit. Voilà. Ouais. Bah écoute. C'est gentil, merci. C'était vraiment chouette de parler de la chaîne graphique. Eh ben merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous revoir et de partager encore une fois mon travail avec vous. Je suis très content d'être là. Oui, et c'est vrai que d'habitude, moi je te vois dans le chat, donc c'était chouette de t'avoir en face. Ouais. Souvent, tu suis souvent les sessions, donc c'est chouette. Ouais, quand je peux, j'aime bien suivre les sessions. Ouais. C'est au fait du bon travail, c'est super. Très intéressant. Bah, écoute, merci. Avec amour. Et je veux dire aussi, après, on ne sait pas comment ça va se passer la suite, mais si jamais vous aimez parler plus d'InDesign, plein de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a LaliDog, qui souvent c'est tous les mois ou tous les deux mois, qui est un truc bien pour avoir plein d'infos sur InDesign et plein d'astuces d'automatisation de script ou des gens comme Jean-Loup qui scriptent, qui savent super bien faire du grep, des trucs qui facilitent la vie, et les écouter parler, c'est cool. Ouais, mais là c'est plus de la technique. Ouais, c'est de la technique, mais ça fait gagner du temps. Et après, on peut faire des beaux magazines et passer son temps à créer des choses. Allez, bon bah sur ces mots, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, oui, on va vous envoyer le lien si vous voulez continuer la conversation. Bah, Jean-Loup, t'es bienvenu si tu veux nous rejoindre sur le Discord. Ouais, je vais venir voir. Il y a des gens qui ont des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Parfait. Bah, on est vendredi, du coup c'est le week-end. Du coup c'est le week-end. Voilà, on se rejoint lundi pour des nouvelles aventures. On a encore une semaine de folie, toutes les semaines des bouquets avec des directs du canap encore. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Delphine qui dit merci beaucoup Jean-Loup, j'aime beaucoup ton travail. Merci très Delphine. Très inspirant. Voilà, donc très bien. Ouais. Merci à tous, merci Pauline, merci Alexandre. Bah merci, on se voit à lundi. Merci Pauline, bon week-end. Merci Jean-Loup, bon week-end. Bon week-end, ciao. Bisous.